Tu es l'artiste rap, tu voyages beaucoup, n'est-ce pas? Maintenant aussi dans rap, voilà, on a notre frère aussi, Didi B. De lui à toi, qui voyage beaucoup? Bon, en gros, je ne peux pas faire une comparaison, tu connais. Chacun a son mouvement, chacun travaille. Non, pourquoi je dis ça? Parce que dans la fête des rap, voilà, quand on l'a reçu, il a dit que lui, dans les endroits où lui rentre là, les autres rappeurs comme vous là, vous ne pouvez pas entrer là-bas. Donc ça m'a fait un petit... En gros, quand tu dis les autres rappeurs, tu vois... Il a dit rap ivoire, lui. Donc, moi, je vois dans le rap ivoire, tu connais, moi, ma musique, tu crois que c'est mondial. Tu connais, moi, tout, les Charo, les Niska, les Tiako, tu connais, les Tisco, les Guide. Tu connais, moi, je parle, c'est vrai, Abidjan, c'est Abidjan et tout, mais Dieu m'a. Dieu, c'est pas Dieu m'a tellement bien. Donc, il a le mouvement là, tu n'es même pas dedans. T'as capté? Tu vois un peu, donc je cherche à moins avoir moins 10 de platine, triple 10, tu vois un peu, non? C'est, même si j'ai fait 100 millions de vues aujourd'hui, c'est petit pour moi. Ouais. Il me dit qu'il y a des gens qui ont fait 200 millions de vues, donc il ne peut pas me limiter à la Côte d'Ivoire, tu comprends? D'accord. Donc, fait des rap ivoire, c'est comme si tu dis, je suis numéro 1 des rap ivoire. Moi, mais il me ferme mes portes, il me renferme, c'est comme si il me crée un monde pour être numéro 1. C'est comme si parmi mes petits frères, c'est que je suis le plus âgé, il dit, je suis le chef des familles. Mais après, va dehors. Il y a d'autres familles, il y a les gens de 55 ans qui sont. Il y a son petit frère, les gens. Tu commences à me dire. C'est des gens comme si tu es le chef des familles, tu es des petits. Voilà, ça va, gentil, chef des familles. Donc ça, on s'en fout. Ah, oh, ça, c'est bien. Tu comprends dit. Un peu. Ouais, donc bien. Après, tu dois être focalisé dessus, tu connais. Ouais, si. Tu comprends si. Après, tu connais la musique ivoirienne est limitée, tu connais, c'est toujours les mêmes trucs aujourd'hui. Non, par la grâce non, de c'est Dieu. Un peu fort, faut pas dire la musique ivoirienne est un peu limitée. Quand tu dis la musique ivoirienne est limitée, genre le rap, il voit en fait. Comme tu veux dire, ils sont. Tu as vu. Ils sont limités, au fait. Leur monde, ils sont limités. Comme tu as dit, ouais. C'est pas qui est qui, quoi, et c'est pas chef de famille de quoi, mais il me dit, c'est un petit monde limité. Puis après, si moi, je fais mon truc, je ne vais pas me contenter de la Côte d'Ivoire. Mon godo-godo, ça cartonne aux Antilles, en Guadeloupe. Je vois ça. Tu vois, il y a la réflexion très longue. Très longue, ok. Ben, en parlant de godo-godo, fjord de Wior. Tu fais quel style musical? Parce que souvent, on ne sait pas si c'est rap, ivoire, c'est coupé, décalé. Évidemment, souvent, c'est zouglou. Tu danses après, pas trop dedans. Voilà, c'est mélange, en fait. Il prend les mamans, les papas, les enfants, en fait. Tout le monde avec moi, là, au moins, tu vois ça. Mais tu peux pas faire une musique. Tu peux pas faire une musique sans repère. En direct, tu es perdu. On ne sait pas si c'est rap, ivoire, ou si c'est folklore, mais si c'est coupé, décalé. L'orientation, c'est quoi de ta musique? L'ambiance, c'est du bombarada. C'est du bombarada, c'est la base, c'est du bombarada. Là souvent, les gens tellement sont fans de toi, ils disent que t'es un peu bête là. Il a créé mon mouvement, tu vois. Donc ça a appelé à son âme, il a créé son mouvement coupé décalé. Son était décalé un matin, il était couché dans le peignoir. D'accord. Des mouvements coupé décalé. C'est ça. Ça a pris, tout le monde est décalé. Ouais. Ça a pris. Moi, c'est dans mon bombarada, les petits sont dedans. Tous les petits sont dedans. Mais maïmouna. Tiens, on va quitter un peu dans les histoires de Didi là. Tu fais fétiche réellement ou pas? Je te dis que c'est un monde de Saint-Esprit. Non. C'est un monde de business, quoi. C'est un monde. Là, quand tu vois tout le monde te regarde, faut nous répondre. Tu te demandes. Tu fais fétiche ou pas? Quand tu allais faire ton premier fétiche pour avoir ton succès, là, comment c'était? C'était le verbe Bavia m'a dit, mon enfant. Oui. Ton. Tu lui as donné quoi en sacrifice? Tu casses le canari. Tu lui as donné quoi en sacrifice? Tu lui as donné ongle de poulet. Ongle de poulet. C'est ça, toi, t'as pris pour aller faire fétiche pour avoir ton succès? Bien sûr. Non, tu ne savais pas. Donc, toi, tu n'as pas donné du sang. Hein. Non, c'est... En fait, dans le fond, tu fais fétiche vrai. Tu ne veux pas nous dire, tu veux nous amener dans un faux train. C'est vrai. Non. Je te dis, là, c'est vrai. Non, ce que tu chantes là, c'est pas toi, c'est fétiche qui c'est chante. C'est lui, c'est le moral de tout Gagba. Donc tu n'es pas fort. Non, t'as pas même pas il n'y a rien, il faut rien. Voilà. Donc tu sais que c'est pas fort, mais il y a fétiche qui chante qui est fort. Mais fétiche, là, va te laisser, je vois, c'est un homme de Dieu. Mais l'esprit pour moi. Gay. Ah, voilà l'homme de Dieu. Fétiche, là, va te laisser. Ma vie. Le temps de parler, il te confie ma vie. Ta vie est déjà confiée. Fa, fa. Sur le 209 du bouquet Canal+.